Maintenant, je vais vous montrer comment on peut mettre un compresseur en sidechain, et pour le coup, je vais le mettre sur la contrebasse. Je vais faire le truc vraiment très très classique, c'est de compresser la basse quand il y a des accents sur le kick. Il y a des notes qui sont jouées sur le kick sur la grosse caisse. Donc je reviens ici sur ma basse, sur Trillian, je vais la mettre en solo pour le moment. Que c'est vraiment une contrebasse qui est très très réaliste, j'aime beaucoup ce plugin. Donc je vais faire Add Device, pareil, je vais aller chercher dans Audio FX le compresseur, voilà. Et alors cette fois-ci, je vais appuyer dessus, vous voyez que maintenant j'ai trois onglets, Main, Sidechain, Sidechain EQ. Donc je vais ici activer le Sidechain, je vais le mettre en On, je vais aller chercher ici ma piste, et à l'intérieur de ma piste, je peux sélectionner mon kick. Donc mon kick, il est là. Pour bien entendre ma relation entre ma batterie et ma basse, je vais muter les autres pistes. Donc, je vais appuyer sur Mute et je vais enlever celle-ci. Je reviens sur Trillian en mode Device pour voir mon compresseur. Donc ici, j'avais choisi déjà le kick comme source de sidechain. Maintenant, je peux aller sur les réglages Main et faire mes réglages. Maintenant, les intensités que je vois ici, ce sont celles de mon kick. Donc je vais baisser mon threshold, mettre un ratio un peu élevé pour qu'on entende bien l'effet. On va réaliser un petit peu plus long pour que la basse remonte, ou alors plutôt très court, on va faire ça court. Ça remonte juste après l'impact du kick. Le temps d'attaque pour éviter d'avoir des clics. Quand on a des temps trop rapides sur le compresseur, ça peut générer des distorsions parfois. Là, je vais rester en mode clic puisque c'est pour la basse. Et le nid, j'en ai pas forcément besoin. Comme j'ai envie de garder un résultat assez naturel, je vais pas pousser le sidechain plus loin. Comme si je faisais de la dance, par exemple, je reste sur quelque chose d'assez discret, plus comme une technique de mixage qu'une technique de production.